Cette réunion était l'occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, de faire le point sur la situation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon concernant les ouvrages de production, de transport et de distribution d'énergie électrique dans notre pays. Elle intervient quelques semaines après un événement qui avait plongé la capitale gabonaise dans l'obscurité, le temps d'une nuit. Le Premier ministre voulait s'assurer que plus jamais un tel événement peut avoir lieu. La SEG a donc fait une présentation exhaustive sur son réseau interconnecté de Libreville en matière de production. On a quelques outils qui présentent quelques difficultés et des solutions ont également été préconisées. Il n'y a pas de développement économique sans énergie, a affirmé le ministre d'État. L'État sera par ailleurs mobilisé du côté de la SEG pour accompagner cette société dans sa production et sa desserte en eau et électricité dans notre pays. Le chef de l'État a des engagements à l'international sur la question de la protection de l'environnement et notre enjeu à nous est de produire propre et de produire durable. Et nous allons essayer de concilier ces impératifs-là et rassurer les Gabonaises et les Gabonais sur le fait que nous travaillons pour que de tels événements ne se produisent plus et si ça venait à se produire, qu'il y ait des solutions palliatives. Au Gabon, la SEG accomplit une mission de service public, celle d'assurer la production, le transport et la distribution de l'eau potable et de l'électricité. Elle demeure présente dans la plupart des foyers du pays.